Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien, que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances. Et voilà, donc ben dites-moi si t'es en vacances ou non. Et en tout cas, moi, je vais ouvrir aujourd'hui le magnifique coffret de Dracaufeu que j'ai depuis environ 2 semaines. J'ai dû l'acheter à King Jouet, je crois, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, avec le Dracaufeu, hein, forcément un Pokémon emblématique. Juste magnifique. Voilà donc le petit descriptif. Et bah, j'ouvrir ce coffret. Alors j'aime pas trop leur nouveau système d'ouverture, mais bon, je vais faire ça. Voilà donc tout est retiré. Alors la carte Dracaufeu de plus près. Alors ce qu'il y a de cool, c'est que c'est pas une promo. C'est vraiment la carte qu'on peut avoir dans la série XY Étincelle. Une carte que je n'avais pas. Et du coup, bah c'est cool de pouvoir l'avoir là dans ce coffret directement, en plus en version jumbo. Donc bah ça c'est cool pour la collection de cartes jumbo. Et vraiment, je suis super content qu'ils aient sorti ce coffret. Alors il y a aussi d'autres coffrets dans le même genre avec Ectoplasma, Kangourex, mais j'ai pas réussi à les avoir parce que c'était des exclus de chez, je sais plus, un peu partout, Parcage, des trucs comme ça. Enfin bref, et donc moi je passe à l'ouverture des boosters que j'espère très chanceux. Simiabrazolo que j'avais déjà malheureusement, mais bon, ça fait une carte holographique, c'est toujours cool d'en avoir une. C'est une rare aussi, il me semble. Je vérifie. Ouais, c'est ça, rare reverse. Oh, c'est chouette ça, mais je l'avais. Je crois que je l'avais déjà en reverse. Je vais vérifier. Ouais, j'ai pas de bol. Parce que j'ai déjà la famille en reverse. Et ratatac. Tant pis. Ah, c'est chouette ça, une énergie en reverse. Ah, ça c'est sûr que je l'avais pas par contre. Et encore une rare reverse. Bon, bah c'est chouette. Arcanin en rare. Alors celle-là, je souhaitais l'avoir. C'est Arcanin, c'est toujours un des.
ça reste un des plus gros Pokémon de la première génération selon moi, alors l'avoir en rare, c'est cool. Et encore une rare reverse, bah, j'ai que des belles reverse. Bon, j'aurais bien aimé une petite ultra, mais c'est déjà pas mal. Et encore une holographique. Bon bah franchement je vais pas trop me plaindre parce que voilà, il y a eu trois reverse, une commune mais c'est une énergie donc je prends, et puis deux holographiques que voici. Bon, celle-là je l'avais déjà, c'est sûr. Pharan, j'avoue que j'ai un petit doute mais je suis pas sûr en fait. Je ne suis pas sûr. Et ensuite donc deux cartes rares que je n'avais pas, et ça c'est cool pour une petite collection, XY12, donc je prends. Et ensuite voilà, Dracaufeu X de Étincelle. Bon, franchement non, ça va, j'aurais bien aimé une X bien évidemment, mais bon ça va, j'ai pas trop me plaindre quand même de l'ouverture dans son ensemble. Donc du coup, bah, si t'as bien aimé cette ouverture, bah, n'hésite pas à liker, à le faire savoir en commentaire, et puis bah, je te dis à la prochaine, et passe de bonnes vacances si t'es en vacances. Ou voilà, enfin bref, je te salue, à la prochaine.